projet est au départ un projet foncier. Nous pensions contribuer à fournir des solutions aux problèmes de terrain et aux problèmes fonciers à Kinshasa et au prix qui explosait. Et donc nous avions sélectionné cette aire de Kinshasa qui est proche du centre, mais qui est quand même libre de conflits, libre de demandes, et donc de l'équiper, d'abord de la protéger du niveau des crues, et ensuite de l'équiper en route et en service pour la rendre habitable. Au début, nous ne savions absolument pas, il était très difficile d'évaluer la demande, et donc nous ne savions pas à quoi nous attendre. Au moment où nous avons commencé, nous avons été surpris par la demande immobilière, surtout plus que la demande foncière. Vous savez très bien que créer des parcelles et mettre sur le marché des parcelles, même équipées avec des routes et des infrastructures, crée beaucoup de problèmes au niveau de la construction. Je pense que l'autoconstruction est un gros problème à Kinshasa et contribue beaucoup aux problèmes d'infrastructure et aux problèmes fonciers. Et donc nous avons pris rapidement la décision de ne vendre que ce que nous construisions nous-mêmes. Donc nous avons fait un plan de masse, un plan directeur que nous exécutons en ce moment et nous avons été surpris par la demande. Malgré le fait que doublons la production tous les ans, mais nous passons partie de très loin. Et donc le projet dans sa totalité devrait aller jusqu'à 384 hectares pour lesquels nous venons de dépasser peut-être 10%. La surface à combler, les constructions à faire sont encore très grandes. Nous ne louons pas nous-mêmes, nous vendons uniquement et ce sont les acheteurs qui louent. Donc nous sommes à presque 400 de vendus et 300 de livrés. Dont la plupart, c'est une des bonnes nouvelles, la plupart sont loués immédiatement. Même au fur et à mesure que nous terminons les immeubles, la même semaine, ils sont occupés. De notre chiffre d'affaires, c'est un produit unique. C'est un appartement de 3 chambres à coucher avec 2 salles de bain, salon, salle cuisine, salle à manger. Il fait 150 mètres carrés et c'est ce produit que nous continuons à répéter, à reconstruire en plusieurs variantes, mais surtout dans une variante d'un immeuble à 2 étages, donc qui comporte 6 appartements. Et nous répétons ça. Maintenant, nous commençons une nouvelle série d'appartements un peu plus grands, qui font 165 mètres carrés, toujours 3 chambres à coucher, et où au lieu d'avoir 6 appartements par immeuble, nous en avons 9. Que nous construisons d'abord ce qui nous a été acheté. Okay. Donc en priorité, nous devons d'abord livrer nos clients qui nous ont payé pour acheter des appartements. Et en ce moment même, l'immeuble même où nous trouvons, c'est un immeuble de bureaux pour le premier et le deuxième étage et commercial. Il y a 600 mètres de surface commerciale au rez-de-chaussée. Et donc toutes ces surfaces, et 12 immeubles sont prévus rapidement comme celui-là. Et donc supermarché, bureau de poste avec la SCPT. Banque, pharmacie, crèche, tout ce que vous pouvez imaginer, nous en avons besoin et nous allons le réaliser rapidement.
nous produisons beaucoup d'efforts, soit dans la logistique, que dans le recrutement, que dans la formation, pour que nos ouvriers puissent achever les immeubles de bonne qualité et rapidement. Cela implique que nous devons commander, importer des produits meilleurs, mais ça implique aussi que nous devons former nos ouvriers. Nous avons plus de 1000 ouvriers congolais maintenant sur le terrain, de nombreux expats, qui doivent assurer la qualité et la rapidité. Donc effectivement, nous avons fait beaucoup de progrès à ce niveau-là, mais pour arriver à satisfaire la demande, qui a été très grande, surtout l'année dernière, nous avons encore beaucoup de progrès à faire. Et malgré le fait que nous sommes en train de résorber le retard que nous avons pris en 2014, beaucoup reste à faire pour satisfaire la demande. Nous avons eu beaucoup de chance. Notre chance, c'est le fleuve Congo. Je dirais que c'est ça notre avantage par rapport à d'autres projets, c'est que les gens sont naturellement attirés par la proximité du fleuve, l'air frais, l'air pur, l'ordre aussi. Nous faisons beaucoup d'efforts pour qu'il n'y ait pas seulement des nouvelles maisons et des nouvelles routes, mais que pour imposer des fois avec difficulté une nouvelle gouvernance, ça veut dire un ordre et une discipline, des comportements qui ne sont pas les mêmes que peut-être dans d'autres parties de Kinshasa. Si nous faisons la même chose qu'autre part, nous aurons les mêmes résultats. Nous voulons créer un nouvel ordre, donc comment garer les voitures, l'utilisation de l'eau, le tri des ordures. Avec l'hôtel de ville, nous collaborons et nous avons commencé un programme de tri des ordures dans 3 sacs différents. Et tout ça dans le but de protéger l'investissement des gens. Si votre voisin se comporte mal, fait du bruit et peint sa façade en orange alors que le reste de l'immeuble est brun, ça va dévaloriser, ça va réduire la valeur de votre investissement. Nous faisons tout pour que les investissements s'apprécient et que les clients qui ont acheté aient une valeur supérieure de leur investissement. Nous avons des problèmes de fourniture d'électricité parce que la cité du fleuve n'a pas été dessinée il y a 10 ans quand les réseaux électriques étaient dessinés. Et donc la demande qui est très importante maintenant que nous faisons sur le circuit, sur le réseau de la SNEL, a beaucoup alourdi la fourniture et donc nous avons des problèmes de ce côté-là. Vous savez bien que la semaine dernière, il y a eu 12 jours de grève des chauffeurs qui venaient de Matadi. J'avais une dizaine de containers dans la queue, donc ce sont 10 containers qui arrivent avec 12 jours de retard. J'ai des immeubles entiers qui sont arrêtés pendant quelques jours parce que le matériel n'était pas là. Il y a beaucoup de facteurs, mais tout le monde cuisine avec la même eau. Tous ceux qui construisent à Kinshasa connaissent ces problèmes et donc ce n'est pas ça. Nous pourrions aller plus vite sans ces problèmes, mais effectivement, ça va quand même. Nous travaillons plusieurs shifts, on dit en anglais, rotations exactement. Nous faisons 2 rotations, tout le monde travaille, nous avons des gens qui travaillent jusqu'à 22 heures et donc on essaie de combler le plus possible. Nous travaillons 6 jours sur 7, donc même le samedi, toute la journée. Nous nous efforçons toujours d'anticiper et donc d'être en avance, mais comme dit, si nous disons aux gens qui viennent acheter « on va vous livrer dans 1 an », ça les décourage. Si on leur dit « on va vous livrer dans 6 mois », on est un peu optimiste. Donc en ce moment, le juste milieu, c'est à peu près 9 mois et c'est sur ça que nous nous engageons présentement. Il y a quelques mois, il y a 1 an, j'ai doublé la main-d'œuvre. À l'époque, nous n'avions que 400 personnes. Nous sommes passés à 800 en 4 semaines.
tout s'est arrêté. Donc, il y avait un manque d'ordre, de discipline. Là, c'est la formation, en fait, qui est importante. Et donc, augmenter brutalement la main-d'œuvre n'est pas toujours la solution. Il faut l'augmenter progressivement. Moi, je pense que la formation est la solution. C'est l'efficacité, en fait, qui est importante. 1000 personnes peuvent fournir un travail énorme si elles sont bien formées. Nous sommes en train d'échanger avec les structures gouvernementales et nationales pour pouvoir envoyer notre main-d'œuvre en formation là-bas. Mais pour l'instant, les gens qui travaillent ici ont été formés ici. Oui. On voit les progrès rapides qui se font sur le terrain et donc ils savent très bien que nous ne sommes pas ici en train de nous reposer et que nous faisons tout le possible pour avancer. Mais la majorité est heureuse et très contente d'être livrée. Et surtout, comme vous l'avez constaté vous-même, ceux qui sont en attente et qui s'impatientent, je leur demande de venir nous parler. Que nous pouvons notre objectif, c'est de trouver des solutions et donc d'échanger avec eux. Et je suis sûr que d'un côté ou de l'autre, à la fin, c'est toujours une question ou d'habitation ou d'argent, et que dans les deux sens, nous pouvons toujours trouver des solutions. Par rapport au marché de Kinshasa, je pense que nous sommes les moins chers pour les constructions nouvelles. Et je pense aussi que l'endroit où nous sommes est le plus agréable et le plus confortable. Ceux qui ne sont pas décidés, qu'ils viennent voir aussi, qu'ils viennent nous parler. En ce moment, comme on vient d'échanger, je ne suis pas pressé de vendre, je suis surtout pressé de livrer, de construire et de livrer ce que nous avons commencé. Et les clients qui nous ont fait confiance, de ne pas décevoir leur confiance. Et donc, aux autres, je leur souhaite de venir bientôt et de les recevoir bientôt.